Good morgen, allez, yidden et tu seras aujourd'hui les Elohim David ben Fortuna Mazal Fritna, Dvorah bat Esther, ainsi que les Hatzlachat, Itaï ben Irit et Tomer ben Shoshana, Abirun Chaniot ou Begashmiot. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Maseret Nedarim, Bagdalet Mishnah, Chet. Ayome Alchin Baderech ve En lo Mayochal. Noten le Acher, le Shum Matana, ve Hala Mutarba. ואם אני מהם אחר, מניח על הסלע או על הגדר ואומר, הרי הם מופקרים לכל אדם, לכל מי שיחפוץ, והלא נוטל ואוכל. רבי יוסי עושה. On continue le sujet de la mission précédente, lorsque j'ai prononcé un éder que mon Réhouven ne profita plus jamais de moi, mais qu'après on se retrouve dans des situations où le pauvre a besoin de manger, j'ai envie de lui donner, mais je ne peux plus lui donner. Donc qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? On avait la solution d'aller voir l'épicier. Maintenant, la Mishnah continue avec un nouveau cas. Ayoum et Alchin Badrech, on était en train de partir sur en chemin. Et moi, j'ai 4 sandwichs avec moi. Et lui, il en a 0. Et au bout d'un moment, il a faim, le pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? Il a rien à manger, l'autre. Eh bien, Noten, les Acher, les Shum Matana. J'attrape une personne de l'extérieur. Je lui dis, écoute-moi, lui, il est Modarna. Je te le donne, tiens, je te donne des sandwichs cadeaux. Comprends ce qu'il faut faire tout seul. C'est plus mon problème. Je lui donne les sandwichs. À partir du moment où je lui donne un sandwich, en théorie, lui, il peut les prendre et partir avec, s'il veut. Et ben, s'il comprend qu'en fait, non, il va les donner à l'autre, il a le droit de le faire, parce que c'est plus moi qui le donne, d'accord? Notan la acher les shum matana, la la motarba, il peut, je peux les donner à une tierce personne, en guise de matana, de cadeau, vehala motarba, et après l'autre, il aura le droit de les manger. Iman imaim acher, maintenant, il n'y a personne d'autre, on est partis tous les deux en randonnée, ou je ne sais pas comment s'est retrouvé tous les deux, maintenant, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre avec qui je peux le faire. Je peux donner, alors qu'est-ce que je fais? Maniach à la sela, je les pose sur un rocher, ou à la gader, ou sur une barrière. Veomer, je déclare, Arien Moufkarin, kol mi sheir, chez l'echol, mi sheyachpot. Ces 208 là, ils sont FKR pour tout celui qui voudra les prendre, c'est plus mon problème. Moi, je me retire, je les rends FKR. Et ben dans ce cas-là, ça marche, voilà, non tel ou après, l'autre, il pourra les ramasser et les manger pour lui, s'il veut. Tandis que Rabbi Yossi aussi, Rabbi Yossi interdit de faire, c'est pas une solution possible, vous savez pourquoi? Selon Rabbi Yossi, il faut faire un efker devant 3 personnes, impérativement. Pour quelle raison? On verra ça dans Hachem à la fin du Perek He, le 5e chapitre, avec l'histoire de Beth Horon. On verra une histoire assez originale où quelqu'un, il a, pour contourner un issour, il a déclaré qu'il annulait la propriété. Et finalement, moi j'ai entendu qu'ils étaient FKR, donc j'ai pas laissé le prendre les deux sandwichs. Je suis vite parti les ramasser, et puis ils sont même criés dessus. Ils ont fait dévoiler, en fait ils n'avaient aucune intention de rendre un FKR. S'il n'y avait pas de FKR, donc l'autre n'avait pas le droit de les ramasser pour les manger. On verra plus dans les détails, l'histoire exactement dans les détails, mais c'est exactement ce qui se passe ici. Selon Rabbi Yossi, c'est que c'est pas que tu poses des sandwichs et tu dis qu'ils sont FKR, parce que s'il n'y a personne autour de toi pour entendre le FKR, on sait que tu n'es pas sérieux dans ton FKR. Et donc il reste ta propriété et. Parce qu'elle n'a pas le droit de les manger. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salut.